Bonjour à tous, bienvenue. Comment allez-vous? Ça va? Ça démarre bien, Japan Expo? Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle masterclass Nintendo. On était là l'année dernière avec Shigeru Miyamoto, vous étiez là aussi? Et cette année, on va bien sûr parler de Pokémon. Ce sont les 20 ans de Pokémon, du moins au Japon. C'était sorti en 1996, mais vous allez voir avec notre invité que ça a démarré bien avant. Aujourd'hui, on va rentrer vraiment dans l'histoire de Pokémon. Et avec Monsieur Masuda, on va rentrer dans les secrets du processus créatif de Pokémon. Et vous allez voir qu'il nous a apporté beaucoup de documents personnels, beaucoup d'anecdotes et une belle surprise qu'on découvrira en fin de masterclass. Je vous demande pas si vous êtes chaud. Ça se voit déjà. En tout cas, on va l'accueillir. Et pour ça, on va être aidé par son plus fidèle complice depuis 20 ans maintenant, Pikachu. C'est parti. Du bruit pour Monsieur Masuda. Konnichiwa. Konnichiwa. Bienvenue. Bienvenue. Monsieur Masuda qui s'installe et qui est accompagné par Florent Gorge qui va assurer la traduction. Salut Florent, bienvenue à toi aussi. On est là pour une masterclass. Messieurs, mesdames, les Pikachu, vous allez pouvoir rentrer en coulisses. On vous retrouvera peut-être plus tard. Merci en tout cas pour cette apparition. J'avais jamais vu autant de Pikachu d'un coup. Alors, on l'a vu sur la photo là, qui a été prise d'ailleurs au pont de Millau. C'est pas la première fois que vous venez en France. On va en parler notamment pendant le développement de X et Y, que vous nous avez apporté des archives où vous êtes allé chercher votre inspiration en France. En revanche, étonnamment, c'est la première fois que vous venez à Japan Expo. そうなんですよ。あの、ずっと来たいと思ってたんですけど、今日こうして皆さんと会えてとっても嬉しいです。ありがとう。Exactement, ça fait très longtemps que je souhaite venir à Japan Expo et là, enfin aujourd'hui, j'ai pu réaliser ce rêve, donc je suis très heureux vraiment aujourd'hui d'être ici parmi vous. Et nous aussi. Arigato. Alors, on va replonger aux origines de Pokémon avant de parler des nouveaux épisodes. Je voudrais qu'on revienne à l'origine, ça a démarré en 90, 91, et ce qui est génial, c'est que vous nous avez apporté des photos qui datent de cette époque. Et la première, on va la voir apparaître. C'est vous, donc, en 91. C'est là que ça commence. Comment s'est passé le tout début du projet? C'était vraiment tout au début, ouais. Je crois que j'ai jamais montré cette photo à personne. J'étais encore vraiment mince à cette époque. この頃はあのなんだろう会社といってもあまり会社っぽくなくて、一つのマンションを借りていてそこでみんなでこう開発してました。赤緑の時は9人で開発してたんですけどみんななんだろうあの会社の中というよりも家みたいな感じだったのでそこであのご飯みんなで作ったりでみんなで食べたりして、ね、風呂もそこでお風呂もそこに入ってたりっていう感じで、なんか家族で一緒に作ってたっていう感じが赤緑にありますね。En fait, quand on a commencé chez Game Freak, on n'avait pas vraiment l'impression de travailler dans une entreprise, dans une société. On était au contraire dans un petit appartement. Au moment où on développait Pokémon Rouge et Pokémon Vert, on n'était que 9 en fait, à développer. Et c'était une ambiance non pas d'entreprise, mais plutôt une ambiance à la maison. C'est-à-dire qu'on avait même une cuisine, donc on cuisinait tous ensemble, on mangeait tous ensemble. On avait même une salle de bain, donc il y en a qui prenaient leur bain aussi. Enfin, on était vraiment dans une ambiance qui n'était pas du tout celle d'une entreprise traditionnelle. Voilà.
Ouais, qui n'était pas celle d'une grande entreprise comme Nintendo, parce que même si Pokémon et Nintendo sont intimement liés depuis 20 ans pour le public, le projet, comme vous venez de nous le dire, n'est pas né chez Nintendo. Comment s'est passée justement la rencontre et le choix de la collaboration avec Nintendo ? そうですね。一番最初の時ってやっぱりこう自分たちはあんまりハードを選ばないで企画を考えていくんですね。で、田尻と一番最初に話してたのはそのなんかモンスターを交換する面白さっていうのを追求できないかっていう話をしていて、で日本にはメンコって言ってこんな円盤でこうめくって勝負する遊びがあるんですけど、でそれってこうメンコ同士を友達と交換したりっていうふうにしてたんですね。なのでなんかそういう交換する遊びっていうのをみんなで広めらんないだろうかって言った時に石原さんとか糸井重里さんとかとお話ししてで少しずつプロジェクトが進んでいくんですけど、まあ、その時やっぱり通信ケーブルを持ってたゲームボーイ、これがあったおかげでこの企画が実現しましたね。Ouais, au tout début, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, quand on commence le développement d'un jeu vidéo, on ne pense pas du tout en termes de hardware, de machine ou de console. On imagine d'abord des concepts. Et par exemple, au départ, avec M. Tajiri, on avait l'un des créateurs de Pokémon, on se posait la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme nouveau concept ? Et on avait l'idée, en fait, d'échange de monstres. On s'est un petit peu inspiré, en fait, d'un jeu qui existe au Japon, qu'on appelle les Menko. C'est des petites... ça ressemble un petit peu à des Pog, c'est tout rond. On les envoie par terre, et puis il y a des combats. Et une fois que le combat s'achève, celui qui a perdu, il doit donner ses Menko. On s'est inspiré de ce jeu-là, en fait, on se disait que ce serait sympa d'avoir un jeu où on pourrait échanger des monstres. Et là, on en a un petit peu parlé à d'autres personnes, comme M. Ishihara et M. Itoi, qui nous ont petit à petit conseillé d'aller voir Nintendo. Le projet s'est développé comme ça. Et on en est venu aussi à la conclusion que pour ce genre de projet, ce qui convenait le mieux, c'était évidemment la Game Boy, puisqu'elle possédait un câble Link qui permettait de faire des échanges tels que nous, on le concevait dans notre projet. Bon choix. Alors, on est maintenant en 1994 sur la photo suivante. Il y a la date qui apparaît en bas de la photo, vous voyez, mais de toute façon, avec la chemise, elle est datée. Hein. On sait qu'on est en 94. C'est un voyage de l'entreprise, dans la mer. C'est une photo de voyage en fait. On a fait un voyage d'entreprise, on a été s'amuser au bord de l'océan. Et comment on est à cette époque ? Dans quel état d'esprit vous êtes en 1994, deux ans avant l'arrivée du phénomène ? Est-ce que vous êtes serein ? Est-ce que tout est prêt ? On en est où par rapport justement à la photo qu'on a vue avant en 91 ? En fait, c'est vrai qu'on a travaillé 6 ans sur le projet Pokémon Vert et Rouge. Or, le vrai travail, nous, pour nous, on s'est vraiment mis, on a mis le pied à l'étrier vraiment les deux dernières années. Donc, c'est à peu près à cette période qu'on a commencé à vraiment travailler sérieusement pour concrétiser le projet. Mais ça nous a pris très longtemps. Mais on a des caractères qui sont très importants. Ils sont très importants.いっぱい作っていて、その中で社員で投票して、このポケモンをゲームに入れていこうっていうのを投票で決めたりしてましたね。On avait conçu énormément de personnages entre nous au sein de l'équipe et puis on a organisé aussi des élections voilà, où on choisissait nous-mêmes entre nous quels allaient être les Pokémon qui seraient insérés dans le jeu final. Est-ce qu'aujourd'hui, 20 ans après, après tous ces jeux, tous ces épisodes, ces deux premières cartouches sont celles auxquelles vous êtes le plus attaché peut-être encore ? Oui, そうですね。やっぱり作るのが大変だったんですよね。コンピューターが当時やっぱりすごい弱くて、タバコをこうふーって吹きかけるとコンピューターが壊れてしまうような時代だったので、自分がプログラマーとか音楽をやってたんですけど、それもやっぱりコンピューターが壊れてはよくメンテナンスをしてやってましたね。À l'époque, ça a été vraiment un développement très difficile parce qu'on avait certaines difficultés de notre côté, et notamment matériel. Nos PC étaient peu fiables. On a même eu des problèmes du genre, dès qu'on soufflait un peu trop fort la fumée de cigarette en direction du PC, il buguait. Voilà, c'est le genre de choses qui sont arrivées. Et je me souviens que moi, bon, sur les premiers Pokémon, j'étais programmeur, mais aussi compositeur des musiques. Et on passait beaucoup de temps en fait, à la maintenance de nos propres ordinateurs pour pouvoir avancer, quoi.
Ouais, ça aurait été terrible vraiment qu'on perde nos données après tout ce travail. Donc Pokémon rouge et vert aurait pu être définitivement abandonné à cause de ça, quoi. À cause de la cigarette, comme quoi il faut pas fumer, quoi. Travaillez jamais sur votre ordinateur en fumant, non. Alors justement, on va se faire une petite séquence nostalgie. On va se replonger à cette époque. C'était donc en 1998 pour nous en France, avec les sorties de Rouge et Bleu. On a branché deux Game Boy ou presque, deux GameCube avec les Game Boy Player et les cartouches originales. Il y a la rouge pour vous et pour vous affronter. On va accueillir Monsieur New Titoff, un YouTuber qui connaît bien l'univers Pokémon qu'il chronique régulièrement et qui va nous rejoindre sur scène. On accueille New Titoff pour ce petit combat de Pokémon. Bonjour. Salut Julien. Salut. Bienvenue. Bonjour. Je ne demande pas si t'es heureux d'être là. Bah carrément. Carrément heureux, c'est un honneur d'affronter un grand monsieur comme ça, j'ai super hâte. T'as révisé tes Pokémon ? J'ai révisé mes Pokémon, oui, c'est ça. Ça fait quoi, 5 ans à peu près que... Ça fait 5 ans que je fais des vidéos, ouais. Mais j'y joue, je joue à Pokémon depuis Pokémon jaune, donc depuis Pikachu, voilà. Bah, comme on en a vu tout à l'heure. Non, vraiment, ouais, je suis fan depuis très très longtemps. Bon, ces cartouches, en gros, ton âge, t'as quel âge ? Eh ben, j'ai 21 ans. Voilà, donc pratiquement ton âge. Pratiquement, ouais. Et alors là, on va voir les deux écrans, donc à gauche de l'écran. Le Game Boy de New Titoff et à droite celui de Monsieur Masuda. C'est parti et vu que c'est ton boulot, et ben c'est toi qui vas commenter le duel. Ouais, donc on a deux Pokémon chacun, donc ça va être un combat qui va être D'accord, ok, il envoie Psychoquack. Ouais, mais face à Dracaufeu, ça va être, ça peut être compliqué. Donc Pokémon de type eau, je vais partir sur une petite attaque tranche. Qui a un haut taux de critique dans cette génération, donc normalement ça devrait lui faire assez mal. Ça lui. Oh, oh ouais, ouais, quand même, quand même. Oh, ok, d'accord. Bon. Non, c'est pas sérieux là. Je vais tenter un Dance Slam. Je vais profiter de son tour. Voilà, yosh. Alors, je pense que je tiens l'hydrocanon. Après, si c'est un coup critique, c'est pas sûr. Oh non. Ça, c'était un coup critique. C'était un coup critique, écoute. Alors. Bon, j'envoie Nidoking, du coup. On va partir sur... Allez, on va faire un séisme. C'est sûr. Ça va être compliqué. Hein. Oh. Mais je pense que ça le met KO quand même. Ah ben. Là, ça craint. Voilà. Ah, c'est bon. Voilà. C'est bon. Ben... Ok, d'accord. Ok. Allez, on envoie Mewtwo. Ok, d'accord. Bon, bah, Mewtwo. Ça va être compliqué, mais on peut. Ok, on peut tenter quelque chose. Alors, je sais pas, est-ce qu'on a Mew là est-ce qu'on peut parler du 151e Pokémon parce que c'était vraiment l'événement à l'époque. Est-ce que Monsieur Masuda peut nous parler de Mew ? もともと開発してる時ってそのデバッグって言ってそのバグを取るための機能が入ってるところがあるんだけど、それを製品版の時はいらないので取ったんだけど、取った時にメモリが少し空いて。 そこにプログラマーのプログラマーがミューを作ってそこに入れたんですね。なので、ゲームでは出てこないんだけど、いつかどこかで出たらいいなっていうことで入れたものなんですよ。Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant le développement, on utilise toujours des tas d'outils qui servent au debug et que lors du debug, on enlève ces outils puisqu'ils ne servent plus à rien pour le jeu final. Et en ayant supprimé toutes ces données, il restait un petit peu de place. Et donc le programmeur s'est amusé à créer un nouveau personnage qui est devenu Mew, qui ne devait pas apparaître dans le jeu. Et on s'est dit, bah, peut-être qu'un jour, on aura une occasion dans un événement de l'utiliser. それで、Nintendo さんと
こういうもの入ってんですよって後で報告して、でこれ落ち着かねえな後で後で報告して、こういうミュウっていうポケモンがいるんですって言って、じゃあせっかくなんで配信しましょうって言ったら、ものすごい列ができて、ものすごい人が来てくれて、もう子供たちでもうものすごい大変なことになりました。列がいっぱいできて。Et en fait, on n'avait pas dit à Nintendo qu'on avait inséré ce Mew à l'intérieur de la cartouche. Et puis un jour, quand le jeu est sorti, on leur a expliqué, bah, écoutez, on en a un 151e qu'on peut éventuellement utiliser, pour, qu'on pourrait offrir dans un événement. Et Nintendo a dit, bah banco, faisons cet événement. Le problème, c'est qu'on a eu une file énorme, une queue énorme pour récupérer le Pokémon, plein d'enfants sur des kilomètres, et donc, ça a été un petit peu terrible à gérer. Incroyable, Nintendo n'était pas au courant de la présence de Mew dans la cartouche. Bon, là, on va faire la dernière attaque, à mon avis. Allez, on retourne au combat. Là, c'est soit je perds, soit il perd. C'est ça. Ça dépend, en fait, de son ultima point, s'il fait ultima point. Ah, merde. Ah oui, non. OK, d'accord. Météore. OK, d'accord, OK. Bon, ça va. OK. Et voilà. Eh ben... Bon, c'était... Ça a été, mais... Ça a été un peu chaud. Alors du mal. Mais vraiment une super expérience de combattre contre Monsieur Masuda. Si on t'avait dit ça un jour. Ah, ouais. Ah ben j'y aurais pas cru et c'est des opportunités comme ça qui sont géniales et merci pour tout ce que vous faites pour la licence Pokémon. Merci à toi, New Titeuf. Merci Julien. Merci. On peut l'applaudir. Merci. Salut. Salut. Alors, on va continuer à remonter un petit peu l'histoire. On est maintenant 8-10 ans plus tard, 2004-2005, avec une nouvelle photo issue de vos archives personnelles. Là, le phénomène est sorti, c'est devenu un phénomène planétaire. Est-ce qu'à ce moment-là, on se dit, bon, bah, ça y est, on y est arrivé ? そうですね。まあ、だいぶ会社らしくなってきて、40人50人で開発できるような感じにはなりましたけど、まだまだこう自分たちはやりたいことがいっぱいあったので、このダイヤモンドパールっていう作品も、まあ、みんなで話し合ってもう最高のものにしていこうっていう気持ちでやってたんで、なんかまだ落ち着いてはなかったですね。ただ自分がこう結婚して娘ができたりしてんで、ちょっと服装とか派手じゃなくて地味になってちょっと大人になってきてる感じがありますね。Oui, c'est vrai que là, avec le temps, Game Freak est devenu une véritable société, du moins, ça y ressemblait beaucoup plus, parce que là, on travaillait déjà avec 40 ou 50 collaborateurs sur le développement des jeux. Mais il est vrai qu'on n'était pas encore tout à fait serein non plus, c'est-à-dire qu'on avait encore beaucoup de choses à proposer, qu'on voulait vraiment encore donner le meilleur de nous-mêmes, et donc on avait quand même encore le trac de savoir si on ferait le travail plutôt bien. Donc on était à ce moment-là sur le développement de Pokémon Diamant et Pokémon Perle. On n'était pas encore tout à fait tranquille, mais après, sur le plan personnel, on peut voir que j'étais quand même un petit peu moins, j'avais des vêtements un petit peu moins flashy, j'étais un petit peu plus tranquille. Je m'étais marié, j'avais une petite fille, donc là, j'étais devenu un petit peu plus adulte et j'avais aussi un peu grossi, quoi. On va suivre l'évolution de votre poids pendant la masterclass, visiblement. Alors, vous avez grandi. Game Freaks aussi. On va voir des photos d'ailleurs de vos locaux. Vous êtes à l'époque à Tokyo, hein. Nintendo est à Kyoto, vous êtes à Tokyo, dans un quartier pas loin de Shibuya. Et il y a une photo qui est très intéressante, c'est celle-ci, puisque pour Diamant et Perle, vous passez de la 2D à la 3D. Et là, vous avez l'idée d'imaginer les cartes en volume avec des Lego. そうなんですよ。これ、Lego を5箱ぐらい買ってきて、ダイヤモンドパールの世界を作るときに、やっぱり立体的にちゃんとどういうふうな構造にするかっていうことをちゃんと考えようと思って、レゴでプチプチプチプチマップをみんなで作ってるところですね。Ouais, exactement. Ça, c'est des Lego. J'ai été acheter environ 5 grosses boîtes qu'on a ensuite ramenées à la société pour les utiliser nous-mêmes pour le développement de Diamant et Perle. Et c'est vrai qu'on avait besoin, en fait, de s'imaginer les cartes en 3 dimensions, parce que c'était une nouvelle feature à cette époque, et ça nous a permis de mieux envisager les volumes, alors qu'avant c'était tout plat, voilà, en 2 dimensions.
D'ailleurs, les fans auront reconnu la région de Sinnoh. Est-ce que ces cartes en Lego et en volume, vous les avez conservées? Parce que c'est juste incroyable de voir ça. Oui, effectivement, vous avez bien reconnu, c'est la région de Sinnoh. Le truc, c'est que quand le jeu est sorti, bon, ben, on a démonté nos Lego puis on les a mis au grenier. Oh non, c'est trop triste. Une photo maintenant, c'est tout simplement l'ensemble des jaquettes, des boîtes, des jeux Pokémon sortis depuis 20 ans maintenant. Lorsque vous voyez ça, Monsieur Masuda, quel est spontanément le souvenir qui vous revient en mémoire ? そうですね。やっぱり自分にとって、まあ、特にこのフランスっていうところで XY を発売した時がすごい思い出があって、2013年の10月12日に世界同時発売して、でその時に自分はパリにいて、世界中とこうコンピューターでつなげてたんですね。で、日本でまず発売されて、その後今度ヨーロッパで発売されて、で、まあ、各国でイベントもやってたんで、ニューヨークでイベントをやったりとか、ドイツでのイベントとか見て、みんなハローってやっていろんな国とつながってた思い出があって、でそれをずっとこうパリでやってたっていうのがすごい思い出深いですね。やっぱり全世界同日でこう発売するっていうこと自体が、まあ、7年ぐらいかかっていたので、ようやく自分のこう夢が叶ったと。でこの日にこう世界中がポケモンでつながったと思って、とても感激した思いがあります。Pour moi, oui, l'un des premiers souvenirs qui me revient en mémoire, c'est la sortie de Pokémon X et Y qui a eu lieu en fait le 12 octobre 2013. Il se trouve que c'est une sortie mondiale simultanée et pour cette sortie, je me trouvais encore une fois à Paris. Donc j'étais très heureux de pouvoir faire cette sortie à Paris. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait d'autres événements organisés un petit peu partout dans le monde, notamment à Tokyo ou à New York ou encore même en Allemagne, et qu'on a trouvé un moyen en fait pour que tous les gens soient un petit peu reliés. Donc moi, je me suis retrouvé face à un PC avec des visioconférences. J'ai pu dire bonjour à toutes les personnes qui participaient aux autres événements dans le monde entier. Donc voilà, pour moi, c'est très symbolique parce que voilà, Pokémon, ça a toujours été une histoire de relations, de liens, d'échanges. Et là, après 7 ans de travaux vraiment très difficiles, on a réussi à réaliser un rêve qui était de pouvoir relier les gens et de pouvoir sortir ce Pokémon en même temps, de façon simultanée. C'était un achèvement, enfin un accomplissement vraiment pour nous hyper important, la réalisation d'un rêve. Bah merci d'avoir choisi ce soir si particulier de la sortie de X et Y, d'être en France et pas comme vous auriez pu l'être à New York, Tokyo ou ailleurs. Est-ce que ça veut dire que vous avez un attachement particulier à la France et au public français qui est venu vous voir aujourd'hui, à vos fans ? ちょっと一つはすごい思い出深いファンとの話があるんで、ちょっとそれをしたいと思うんですけど、自分がワールドチャンピオンシップスをボストンでやった後に、まあ一人で、ロンドンに仕事があって、一人でロンドンに行ったんですね。その後今度リオンに行くことになっていて、それも一人だったんですね。でユーロスターに乗ってリオンまでってこう結構長い時間だったんで、そこでこう日本語で今からリオン行きますってツイートしたんですよ。そしたらリオンにいた子たちが来てくれるのって言って、みんな喜んでくれて、で自分はリオンに着いてこうガラガラとユーロスターを出てったら、20人ぐらいのファンがイラスト付きでなんかようこそリオンへって言って書いてくれてたんですね。でその時にもうすごい感動を覚えましたね。Ouais, j'ai un super souvenir en fait avec les fans français. Ça s'est passé en fait après les World Championships qui avaient eu lieu à Boston. Donc après Boston, je devais me rendre à Londres et puis ensuite de Londres, je devais aller à Lyon. Et de Londres à Lyon, il y a le train. Voilà, j'ai pris donc l'Eurostar, mais j'étais tout seul avec mes gros bagages. Donc, je me sentais vraiment très seul. Pour moi, c'était l'aventure. Je savais pas si j'allais vraiment y arriver. Et en japonais, j'ai tweeté. Bon bah voilà, je m'en vais en direction de Lyon. Et puis j'ai vu des réactions de Français en disant « Ah bon, vous venez à Lyon, etc. » Et en arrivant à la gare de Lyon, je me suis retrouvé avec 20 fans français, avec des pancartes illustrées « Bienvenue à Lyon, Monsieur Masuda ». Et ça m'a vraiment super ému, parce que voilà, c'était un accueil auquel je ne m'attendais absolument pas, et ça, c'était vraiment une super surprise.
Alors, ce qui est génial, c'est que vous êtes venu avec une photo que vous aviez prise avec ces, ah ouais, ces fans qui, spontanément, vous avez accueilli à Lyon. La voici, cette photo. c'est juste incroyable. Est-ce que vous avez fait que cette photo ou vous avez passé un moment avec eux ? そもそもリオンに着いた時に自分が泊まるホテルの場所とかも詳しく分かんなくて彼らに見てもらって2人日本語が喋れる人がいたんですけどでそのホテルまで、バスで連れてってくれてでそのバス代もバス賃も運賃も出してくれて奢ってくれたんですねでホテルのチェックインも手伝ってくれて、でその後に、旧市街に遊びに行ったりとかあとここの場所、この写真を撮ってる場所っていうのは彼らがいつもバトルしてる場所らしくてでここで一緒にみんなでランチ撮ってであれですね、レトロゲーマーっていうなんかレトロゲームショップ屋さんに一緒に行って、店長と格闘ゲーム戦ったりとかなんかそういう思い出があって、とても大切な友達です。Ouais. On ne s'est pas contenté de faire uniquement cette photo, bien au contraire, parce que moi, quand je suis descendu du train, je devais me rendre à mon hôtel. Évidemment, je ne connaissais pas Lyon, je ne savais pas où c'était. Donc, quand je leur ai demandé, ils m'ont dit bah, écoutez, nous, on va vous y emmener. Donc, ils m'ont guidé jusqu'à l'hôtel et surtout, ils m'ont aidé à prendre le bus. Ils m'ont même payé mon ticket de bus. Ensuite, ils m'ont aidé à faire le check-in à l'hôtel. Après que je me sois inscrit, bon, bah, on est ressorti. Ils m'ont guidé aussi dans les lieux touristiques de la vieille ville de Lyon. Et puis, ils m'ont aussi emmené là, sur le lieu de la photo, en fait, c'est là où ils ont l'habitude de se réunir pour se défier et jouer ensemble à Pokémon. Donc là, on a pris un déjeuner tous ensemble. Et ensuite, bon, ça ne s'est pas arrêté là non plus. Ils m'ont emmené jusque dans une boutique de rétro game où j'ai pu même jouer à des jeux de baston contre le dirigeant de la boutique. Enfin bref, ça a été pour moi un super souvenir et un accueil hyper chaleureux. C'est juste un super moment. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui se reconnaissent sur la photo ? Non, ils sont restés à Lyon. Je pensais qu'il y allait avoir 500 personnes qui allaient se reconnaître. En tout cas, merci d'avoir partagé ce moment qui prouve votre attachement au public français et à la France. Et on va justement maintenant rentrer un petit peu dans les coulisses du développement de X et Y, un épisode dont l'univers est largement inspiré par la France. Et vous êtes venu avec l'un de vos carnets de notes, l'un de vos carnets personnels. Et ça, vous allez voir, c'est vraiment génial parce qu'on va ouvrir les pages de ce carnet qui a servi à poser les bases du jeu, les idées, les concepts, tout est là-dedans, c'est juste incroyable. Est-ce que c'est votre manière de fonctionner, c'est-à-dire que vous avez toujours un carnet comme celui-ci sur lequel vous notez toutes vos idées ? そうですね。これあのいつもよくまあ持ち歩いてたりするんですけど、あの無地で何でも絵も描けるので、こういう感じでこれも実はこれ2010年の6月18日に書いてるものなんですけど、なのでブラックホワイトが発売前にもう舞台はフランスって書いてあったり、早い段階からもう XY の構想が始まっていたっていうもんですね。Oui, je me balade régulièrement, enfin même presque toujours, avec ce genre de carnet de croquis, voilà, sans ligne, etc. Parce que ça me permet de dessiner, ça me permet d'écrire des notes, un certain nombre de choses. Et ce qui est intéressant, en fait, là, dans l'anecdote, c'est que la première page, elle est datée du 18 juin 2010, donc c'est-à-dire avant la sortie de Pokémon Black and White, noir et blanc. Et sur cette page, il y a déjà marqué, pour le prochain, je voudrais que ça se passe en France. Le jeu se passe en France. Donc je travaillais déjà sur Pokémon X et Y avant même la sortie de Noir et Blanc. Et donc vous avez fait un voyage en France avec ce carnet et vous avez pris plein de notations, plein de photos et c'est ce qu'on va découvrir maintenant. Et vous allez voir le parallèle entre ses idées, sa recherche et ce qu'on a retrouvé dans le jeu. Alors on va feuilleter quelques-unes des pages de votre carnet. On passe tout de suite à la suivante. Qu'est-ce que vous avez voulu imaginer en dessinant ces DS, en l'occurrence ces 3DS ? これはですね、あのポケパルレっていう、ゲーム内であのポケモン可愛がるところがあるんですけど、それの一番初期のスケッチですね。あのポケモンを可愛がるっていうことを書いてるんですけど、この下にある絵のところはその自分だとポケモンは寄ってくるんだけど、プレイヤーじゃない人が寄ってくると逃げていくってことができないだろうかってことを書いてあったりします。Oui, alors cette page-là, en fait, c'est une page que j'appelle en fait le dorlotage. C'est un concept que je voulais insérer dès le début et qui devait faire partie en fait du mode Poké Récré.
vous voyez, dans lequel on prend soin de ces Pokémon. Et j'avais eu l'idée, en fait, je me posais la question, est-ce qu'il ne serait pas possible de faire de la reconnaissance faciale? C'est-à-dire que dès que le Pokémon à l'intérieur de sa console reconnaît le joueur, alors dans ce cas-là, il se rapproche et puis on peut jouer avec. Par contre, si c'est quelqu'un d'autre, bah alors il va qu'à d'autres occupations. Voilà le genre d'idée que j'ai pu mettre sur ce carnet. On tourne une page. On passe maintenant à des panneaux signalétiques. Est-ce que ça veut dire que les panneaux de signalisation français vous ont également inspiré? これ、自分がフランスに来た時にやっぱり標識を見た時に自分でも分かるなって思ったんですね。ここは入っちゃいけないんだなとか、ここは一方通行なんだなっていうことが分かったので、やっぱりその、 どこの国の言語でもなく、その単純にこう記号だけでその何がしちゃいけないとか何していいって分かるってすごいことだなと思ったんで、XYでちょっと看板入れてみようかなとこういう標識を入れてみようかなと思って、その時に最初に書いたスケッチですね。 Oui, quand en fait je suis venu en France, je me suis rendu compte d'une chose intéressante, je n'avais jamais remarqué ça avant, c'est qu'au final, je ne parle pas français, mais en regardant les panneaux de signalisation, ben, je les comprends tout de suite en fait, avec des signes très très simples, on se rend compte qu'au final, n'importe qui peut comprendre tout de suite à quoi ça correspond. Donc j'ai eu l'idée, en fait, je me suis dit, ben, ce serait pas mal aussi d'inventer des panneaux pour que dans le jeu Pokémon, les gens comprennent tout de suite ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, même si on ne parle pas tous de la même langue. Donc voilà, c'est des idées que j'avais. Pour Pokémon X et Y, c'était d'implémenter des panneaux de signalétique compréhensibles par tous. Voilà, on comprend qu'on n'a pas le droit de chevaucher un Pokémon, par exemple. C'est très net. Allez, ne pas traverser, ne pas voler, voilà, j'en ai mis plein. C'est très clair. On continue la découverte de ce carnet de notes, de ce carnet de croquis avec la page. Ah ben non, c'est une photo. Qu'est-ce que c'est que cette photo? Est-ce que vous reconnaissez cet endroit? C'est les catacombes. あんまいないじゃん。あ、わかります。いや、パレアだから僕じゃ聞く。すごい、なんですかね、人間の骨がいっぱいあるとこなんですけど、ここに行った時にちょっと考えたことがあって、ちょっとこれもノートにまとめたんですね。 Oui, donc ça c'est l'entrée des catacombes, c'est un lieu, voilà, un peu, c'est une espèce de souterrain dans lequel on retrouve énormément de squelettes, de crânes, etc. C'est un peu lugubre. やっぱりこう 洞窟的なその狭い空間の中をずっと進んでいくことの怖さとか、先がどうなってるか分かんないっていう怖さみたいなのをなんかゲームで表現できないかなと思って、であんまりこう今までのポケモンだとあんまりこう背中からずっと押さえるこう見ていくカメラってなかったと思うんですけど、まあ今回のこの XY の時はそれをしっかりやってみようと思って、で輝きの洞窟に使いました。 Oui, alors c'est vrai que j'ai voulu en fait dans Pokémon X et Y retrouver l'impression d'étroitesse, de peur, le fait de rentrer dans une grotte un petit peu sombre et lugubre et d'exprimer ça de la meilleure des façons. Donc la console nous permettait désormais d'utiliser la 3D bien plus avancée et c'est à partir de ça, de ce moment-là que je me suis dit tiens, ce serait bien de pouvoir mettre une caméra vraiment plus à l'arrière pour pouvoir éventuellement ressentir cette espèce de sentiment d'angoisse qu'on a dans une grotte un peu sombre et lugubre, et c'est ce qui m'a donné en fait aussi l'envie de créer ce que vous avez dans le jeu de la version française, la grotte étincelante. On continue de découvrir vos carnets personnels et vos photos que vous avez prises pendant le développement. Ah. Ça, c'est pour le développement du jeu ou c'est juste par plaisir? 初めてフランス来た時にとりあえずシーフードは大好きなので、フルーツデメールっていう単語だけ覚えてったんだけど、頼む時に間違えて 2.5 人前頼んでしまって一人で食べたっていうやつです。 Non, on n'a pas besoin pour le développement du jeu, hein, je peux vous rassurer. C'est juste que c'était pour mon premier voyage en France. J'adore les fruits de mer. Donc c'est le seul mot que j'avais appris en arrivant en France, c'était fruits de mer. Et en me rendant dans un restaurant, j'ai commandé les fruits de mer, sauf que j'avais pas conscience des proportions. J'ai commandé pour 2 personnes et demie, en fait, et j'ai dû manger ça tout seul. Voilà. Donc une douzaine, c'est 12, hein. C'est pas une huître. Voilà. Bon ben, et vous avez tout mangé? Taimasha. Comment on dit donc fruit de mer? Fruit de mer. Fruit de mer. Voilà, bravo. Allez, on continue. On est toujours dans le développement de X et Y et on est maintenant dans les jardins du château de Versailles. これもベルサイユ宮殿に行った時に、すごい迷路っぽいなって思ったんですね。そのデザインを
デザインだと分かっていたんですけど、逆にその迷路にしたら面白いんじゃないかなと思ったんで、 X 線的に追いかけるっていう、遊びにしました。Ouais, j'ai pris cette photo évidemment au château de Versailles, dans les jardins, et j'ai vraiment trouvé que le design en fait et l'organisation générale des jardins faisait vraiment penser à des labyrinthes. Et ben, c'est un petit peu cet endroit-là qui m'a donné l'envie de reproduire ce concept du labyrinthe dans Pokémon X et Y. Et c'est notamment voilà l'endroit où il y a une espèce de course-poursuite, et ça vient de cette photo notamment. Allez, encore une photo de ce voyage qui vous a permis de repérer notre pays. Alors ça, c'est marrant, c'est parce que ça nous paraît totalement banal, cette allée avec des arbres. Et pour vous, c'est typique de la France, une image comme celle-ci. で日本ではあんまりそんなに見かけないところで、しかも木の葉っぱの色とかが違ったり、下に木漏れ日がすごいあったりするのをどうにかゲームで表現したいなと思って、でその時にこの6番道路で、それをまさに表現して、自分にとってはとってもフランスらしい絵です。Non, enfin pour moi, c'est vraiment typique de la France, parce qu'au Japon, on n'a pas vraiment ce genre de routes qui sont bordées par d'aussi beaux arbres. Quoi. Ça, on ne le trouve pas. Par contre, en France, à la campagne, j'en ai vu énormément, et ça m'a énormément plu, et notamment les couleurs, la lumière qui traverse en fait toutes ces feuilles. Et je voulais vraiment qu'on puisse l'avoir aussi dans Pokémon X et Y. J'ai cherché un moyen de le faire, et au final, j'ai pu l'implémenter, et c'est devenu la route 6. C'est génial. Allez, encore une dernière photo, ce qui vous permet de découvrir ce qui se cache derrière les paysages ou les bâtiments du jeu. Et là, en l'occurrence, l'inspiration, elle vous vient du Mont-Saint-Michel. そうですね。Mont-Saint-Michel に行った時に、やっぱりその遠くから少しずつこう歩いていくこと時に、その Mont-Saint-Michel がどんどんこう近づいてきてるっていう感じがすごい楽しくて、で中に入ると、Mont-Saint-Michel の中に入ってしまうとこうあんまりよくわかんないですね、大きくて全体が。でもこう遠ざかっていくとすごい全体像が見えて美しかったんで、なんかそれを表現したいなと思って、まあ、遠くから歩いていく、しかもなんか海と空っていうのをすごい美しく見せたかったので、こういう形にしました。Ouais, le Mont Saint-Michel, en fait, ce qui m'a vraiment impressionné, et c'est pour ça que j'ai pris aussi cette photo, et ce qui m'a laissé une très très bonne impression, en fait, c'est cette sensation qu'on a quand on part de loin, qu'on voit déjà le mont de loin, et plus on se rapproche, évidemment, plus cette masse s'impose à nous et devient impressionnante. C'est vrai qu'une fois qu'on est rentré à l'intérieur du mont, vu qu'on est au centre, au milieu, on n'a plus vraiment les consciences des dimensions, etc. Mais j'ai trouvé ça génial, voilà, le fait de se rapprocher, de voir cette montagne se dresser devant nous, et je trouvais ça intéressant, donc j'ai absolument tenu aussi dans le jeu à représenter cette impression que j'avais ressentie lors de ma visite du Mont-Saint-Michel. Et puis aussi, je dois souligner que j'avais aussi beaucoup aimé la beauté du ciel et puis de la mer. Donc voilà, j'ai tenu à avoir ça aussi dans Pokémon X et Y. Merci beaucoup. Hein. Merci de nous avoir ouvert vos archives personnelles, ce carnet, ces photos. C'est vraiment hyper enrichissant. Et puis on voit l'implication en tant que directeur ou producteur, puisque vous occupez souvent l'un de ces deux rôles, dans le développement d'un jeu. Mais on est obligé de parler de musique, puisque vous êtes aussi, et je ne vais pas dire surtout, mais en tout cas, vous êtes le compositeur des musiques Pokémon. Et là, j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu, justement, le processus créatif, la manière avec laquelle vous composez les musiques de Pokémon. Est-ce que vous travaillez chez vous? Est-ce que vous travaillez chez Game Freak? Est-ce que vous, chez Game Freak, est-ce que vous travaillez avec des instruments traditionnels, uniquement des ordinateurs? Expliquez-nous un petit peu. はい、通常会社で作業して曲を作る時もあるんですけど、もう最近はこれ自分の家なんですけど、自宅にもうコンピューター買って、でシンセサイザーもいっぱい置いて、これほとんどアナログのシンセサイザーなんですけど、ここに囲まれて、作業することが多いですね。でアナログシンセサイザーのやっぱ音を取ってサンプリングしてデジタルのコンピューターに入れていくっていう作業を大体してますね。Bah, en général, je travaille évidemment dans les locaux, dans les studios de Game Freak, et là, je compose directement sur un ordinateur. Mais la photo que vous voyez, ça, c'est une photo prise chez moi. Ça, c'est mon studio personnel à la maison. Et j'aime beaucoup travailler aussi ici, parce que là, j'ai des synthétiseurs analogiques qui me permettent vraiment de composer dans de bonnes conditions. Ensuite, avec mes compositions, bah, je fais du sampling, et qui me permet ensuite de retravailler directement avec des données numériques pour les compositions de Pokémon.
で、これであのこれでちょうど作曲したのがあのポケモン GO とかをほとんど自宅で作業してたので今日はあのフィールドの曲を1曲聴いてもらおうかなと思って持ってきてます。Et justement aujourd'hui, je vous ai apporté une petite musique. C'est la musique en fait de la carte du jeu Pokémon Go et que j'ai composé d'ailleurs chez moi dans mon studio. Donc je voudrais que vous puissiez l'écouter aujourd'hui. Et oui, c'est l'actualité Pokémon. C'est vrai que Pokémon Go est sorti hier en Australie et en Nouvelle-Zélande. Mm. Il est sorti aujourd'hui aux États-Unis. Il y a peut-être des nouveaux Zélandais et des Australiens dans la salle qui l'ont déjà. Alors on va découvrir une des musiques que vous avez composée pour ce jeu. Bah, on l'écoute. Pour ce jeu mobile, un Pokémon pas comme les autres. Et parlez-nous de cette musique plus particulièrement. これあのポケモン GO って歩いてポケモン探しに行くゲームなのでちょっとテンポを早めに作ってます。Alors Pokémon Go, hein, c'est un jeu dans lequel le concept est évidemment de se promener, d'avancer, de se balader pour ensuite capturer des Pokémon. Donc le concept se marie vraiment bien au tempo, la marche. 結構ね。多分フランスのみんな歩くの早いからちょうどいいんじゃないかな。はい、vous les Français vous marchez très très vite, donc je pense que c'est un bon rythme pour vous. Alors, effectivement, vous avez pu constater que les Français marchent vite et que du coup la musique est bien adaptée puisque vous étiez hier dans les rues de Paris et vous êtes allé capturer quelques Pokémon. Donc la bonne nouvelle, c'est que les Pokémon sont déjà dans les rues de Paris. Vous nous le confirmez? そうですよ。これ昨日、まさに昨日あのみんなの知ってる場所に行って。ちょっと捕まえてきました。Oui, ça c'est les photos que j'ai prises hier. Voilà, je me suis dit, il faut que je me balade, il faut que j'aille voir s'il y a des Pokémon à Paris. Et voilà ceux que j'ai pu capturer hier dans les lieux que vous connaissez certainement. Voilà, donc c'est Pokémon Go qui arrive bientôt sur nos téléphones. Et merci beaucoup de nous avoir partagé les premières photos de ce safari. Voilà, on a vu que vous avez attrapé donc ce Pokémon dans les jardins du Trocadéro. そうこれあの捕まえた後にちゃんとあのマップどこで捕まえたかっていうマップがこのように表示されているので自分の携帯で見ればいつでもこうどこで捕まえたか分かる。Oui, une fois qu'on a capturé en fait un Pokémon, on peut voir tout de suite à quel endroit on peut noter à quel endroit on a pu le capturer et retrouver toutes ces données pour ses propres archives, savoir où on a eu telle ou telle créature. On a une autre musique de Pokémon Go?そうなんですよ。実はまだこのポケモン GO でもう使ってないんだけど、作曲だけした作曲っていうか、まあ、作曲かアレンジした曲があって、みんなが、まあ、みんな全員知ってる曲ちょっと聞いてください。Je voulais vous présenter oui une autre musique qu'on utilisera certainement dans Pokémon Go. C'est un arrangement d'un thème que vous connaissez ou que vous reconnaîtrez très certainement et je voudrais que vous l'écoutiez. これも初めて皆さんに聞いて。Et c'est la première fois qu'on le fait écouter aussi.Ah, vous avez compris visiblement. Ils l'ont reconnu visiblement. Alors, ça ne figure pas dans Pokémon Go, mais ça pourrait arriver lors d'une mise à jour. C'est une petite exclue là. Oui, on a l'intention de l'implémenter dans le jeu bientôt. Ouais. Voilà, première exclue. Il y en a d'autres. On arrive bientôt à la fin de cette masterclass. Et après avoir parlé de Pokémon Go, on va parler maintenant des épisodes Soleil et Lune. Qui arrive le 23 novembre. Visiblement, c'est attendu.
Alors là, l'inspiration, bah, elle est dans le titre. Hein. Vous êtes allé la chercher plus du côté du soleil et notamment d'Hawaï. あの、今回アローラ地方っていうのを作りまして、モチーフはハワイですね。で、4つの島があって、それぞれでこういろんな Oui, l'île, la région en fait d'Alola qui servira de lieu pour le prochain épisode est essentiellement composée de 4 îles et sur chacune de ces îles on trouvera des Pokémon spécifiques. Donc on voulait vraiment offrir aux joueurs une ambiance totalement différente de celle qu'on avait offerte jusqu'à présent. Donc là ce sera notamment par les couleurs, voilà, cette espèce de pouvoir magique qu'ont ces îles du Pacifique. C'est ça qu'on voulait pour cet épisode. Et alors dans votre sac, là, parce qu'il y a plein de choses dans ce sac, hein, on n'a pas encore tout vu, dans votre sac, vous avez apporté quelques-uns des Pokémon. Alors là, c'est de l'exclu aussi. De quoi s'agit-il? On les connaît déjà, ceux-là. Alors là, je ne sais pas si vous allez le voir, mais en fait, c'est des prototypes. Ils ne sont pas encore tout à fait terminés. On peut le voir, Voilà, je voulais en tout cas vous les apporter en exclusivité. Ce n'est pas encore sorti, c'est encore en cours d'élaboration. Voilà, on travaille encore dessus. Ce sera, j'espère, bientôt disponible. Bah oui, quand on développe un jeu, c'est le jeu, mais c'est aussi tout l'univers et notamment ces prototypes qui sortiront donc en fin d'année et qu'on espère voir arriver chez nous, peut-être l'année prochaine à Japan Expo. Alors justement, là, on a déjà 3 stars des épisodes Soleil et Lune. Combien de nouveaux Pokémon ont déjà été révélés? Pour l'instant, on a dévoilé déjà une quinzaine de Pokémon. Pour l'instant, mais aujourd'hui, vous nous avez réservé une surprise. On va vivre un moment unique. Je voulais vous révéler en avant-première mondiale un nouveau Pokémon. Alors, je dois vous prévenir qu'on ne l'a pas vu, ni Florent, ni moi. C'est vraiment la surprise, le secret a été gardé jusqu'à la dernière seconde. Et vous ici, aujourd'hui, à Japan Expo, vous allez être les premiers à découvrir donc, ce nouveau Pokémon. Donc il y a une vidéo, on en parle maintenant, on regarde la vidéo d'abord. On regarde d'abord la vidéo. Alors je vous laisse la lancer, en français on dit c'est parti. C'est parti. Peggy 7. Merci. Merci, voilà, on découvre Tritox qui apparaît sur l'écran. Première mondiale, la révélation de ce Pokémon, c'est ici à Japan Expo. Merci beaucoup pour ce cadeau. Qu'est-ce qu'on peut en dire donc de Tritox? Présentez-le nous. C'est Yatomori, un Pokémon de Doctype. Vous avez vu le Doctype, le Doctype de Zubat est Doc. C'est un Fushok, un nouveau Toxé. Oui, alors Tritox, en fait, est un Pokémon de type poison et il a un talent nommé Corrosion, voilà, et qui permet
d'empoisonner n'importe quel autre Pokémon. Super. Eh ben voilà. On est pressé de le découvrir à partir du 23 novembre dans les épisodes Soleil et Lune. C'était la petite surprise, la grosse surprise de cette fin de masterclass. Est-ce que on peut découvrir une des musiques que vous avez composées pour les épisodes Soleil et Lune ? そうなんですよ。実はサンとムーンのためにもう一曲作ってたものがあったんですけど、ボツにしたんですね。で、普段は皆さんにボツにした曲を聴かせることな、聞いてもらうことないんですけど、せっかくなんで自分が作ったバトルの曲、ボツの曲を、もうこの後どこにもかからないと思うんで、ぜひ聴いてやってください。Ouais, en dernier lieu, je voulais vous faire une dernière petite surprise. J'ai composé, bien sûr, un certain nombre de musiques pour Pokémon Sun, enfin Sun et Moon, pardon. Et la musique que je vais vous faire écouter, en fait, c'est une musique que j'ai choisi de ne finalement pas utiliser dans le jeu. Alors en général, quand on décide de ne pas choisir une musique, on ne la fait jamais écouter. Mais là, voilà, je vais vous la faire écouter. Alors écoutez bien, parce que forcément, c'est une musique que vous n'entendrez qu'une seule fois dans votre vie. C'est la seule et unique chance de l'entendre. Merci, merci beaucoup pour cette musique exclusive. Ça va nous donner des regrets. On aimerait bien l'entendre, cette musique, dans le jeu. Merci beaucoup à Monsieur Masuda. Merci. Pour cette masterclass. Des applaudissements pour Pikachu, Florent Gorge et surtout pour Monsieur Junichi Masuda. Arigato. Venez saluer le public français. 今日はいや、encore des choses dans le sac。Oh oh。捕まえようと思って。Oh oh。あそこにあれフォッコーがいるじゃん。Je voulais capturer des Français aujourd'hui。ポケモンがいる。Ah, il y a des Pokémon。ちょっと待って。Alors, il s'agit de Pokéballs. Attention, ne vous bougez pas s'il vous plaît. Des Pokéballs dédicacés avec des dessins et c'est uniquement pour attraper des personnes déguisées en Pokémon. Florent. C'est ça. Alors. Kiosketeo. C'est uniquement pour les. Ah, c'est parti alors, attention. C'est du collector, hein. Hein Ah, t'es chaud, pas. Ouais. Tu vas te. Du calme. Kiosketeo. Soyez prudent. Stokage. La dernière, attention. Merci à tous. Merci. Thank you. Merci beaucoup. Merci Monsieur Masuda. On repart comme on est venu avec Pikachu. Salut.